Et à la une, le conflit entre la Russie et l'Ukraine est entré dans son septième jour, avec des tensions qui ne paraissent montrer aucun signe d'apaisement. De violents combats se poursuivent dans les principales villes ukrainiennes, alors que le deuxième tour des négociations doit se tenir aujourd'hui. Mardi, une attaque à la roquette russe contre une tour de la télévision à Kiev a fait 5 victimes civiles. Les Nations Unies ont signalé plus de 400 blessés civils en Ukraine. Près de 660 000 réfugiés ont fui l'Ukraine, la plus large crise humanitaire que l'Europe n'ait jamais connue. Le président ukrainien Zelensky a appelé à davantage de soutien de l'Union européenne après avoir déposé une demande d'adhésion auprès du bloc.